m'appelle Gilles Dassarnois, je suis un musicien qui est né à côté d'Orléans. J'avais dirigé l'Orchestre symphonique d'Orléans au cours de la saison 2016-2017. J'avais rencontré justement le violon solo de l'Orchestre d'Orléans, Gilles Lefebvre, qui était le violon solo de la dernière expérience de Venite Cantemus. C'est donc lui qui m'a appelé pour me proposer ce projet. On s'était rendu compte qu'on partageait pas mal de choses communes sur la musique, enfin sur pourquoi on fait de la musique, et pouvoir le partager sur un projet aussi riche que celui du Messie, rassemblant ce chœur BNP, rassemblant des Européens dans un lieu historique, une œuvre aussi anglaise par un compositeur d'origine allemande dans un lieu aussi français. Voilà, pour moi, c'est l'Europe, quoi qu'on en pense aujourd'hui. C'est la H plus un point d'exclamation, c'est là. Chanter pour l'autisme dans le cadre de ce projet, ça représente un petit peu plus qu'un, entre guillemets, un simple concert caritatif. En tout cas, aider une cause par l'intermédiaire de la musique, ça c'est de toute façon une belle œuvre. C'est évidemment un très beau symbole qu'on peut proposer à tous ceux qui sont touchés par cette maladie et qu'on soit touchés de près ou de loin. Cet esprit d'ouverture dans ce projet, je trouve que c'est une belle symbolique par rapport à l'autisme. Ça se présente plutôt bien. J'ai des choristes qui sont très réactifs. Alors là, un petit peu moins, on est un petit peu dans le creux de cet après-midi. Donc voilà, j'ai un petit peu moins d'énergie et de concentration. Toutefois, ça réagit très bien. Et je suis assez confiant pour demain parce que voilà, dans cette acoustique qui n'est pas forcément facile, on obtient déjà des belles choses. Donc voilà, le suspense, ce sera de découvrir demain l'opéra comique. Avant la répétition, on ne sait pas à qui on aura affaire, d'où ils viennent, quel est leur passé de chanteur et leur passé et leur connaissance notamment de cette magnifique partition. Et en fait, voilà, le fait de découvrir que ça fonctionne, qu'ils réagissent, qu'ils sont dedans, du coup, je pense que demain, je vais pouvoir prendre plaisir là où j'avais peut-être un peu peur d'être obligé d'être dans la sécurité. Et ça me semble bien parti, voilà, pour passer un très bon moment. Expliqué au départ. Je sais pas si je devrais commencer par le côté épuisant ou le côté excitant. En fait, le premier truc que je ressens, c'est déjà beaucoup d'excitation, beaucoup d'énergie. Alors j'ai la bouche complètement sèche parce qu'en fait, quand je fais un truc avec cœur comme ça, j'arrête pas de chanter. Alors en fait, j'aère en permanence. Donc voilà, donc j'ai très soif en fait. Voilà. Je vais te laisser boire. Non, mais voilà, exactement. Mais finalement, on s'est régénéré avec cette version absolument formidable. Quoi, voilà, c'est tellement lumineux, on reçoit tellement d'énergie de la part de tous les chanteurs, de tous les musiciens. Enfin, voilà, c'est vraiment un beau moment de partage, comme on devrait en faire plus souvent et comme on devrait convier tous ceux qu'on connaît, nos amis, la famille, les voisins. Voilà, on devrait se rassembler plus régulièrement autour de ce genre d'aventure. Tellement humaine et enrichissante.